Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau aux pommes. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم كيكة أو حلوى بالتفاح. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc pour les ingrédients de la première étape, j'aurai besoin de 4 pommes, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de cannelle et 30 g du beurre. بالنسبه للمرحله الاولى راح احتاج 4 تفاحات وجوج ملاعق كبار ديال السكر وملعقه كبيره ديال القرفه و 30 غرام ديال الزبده. Donc j'enlève la peau de pomme. نزال القشر ديال التفاح et je coupe la pomme en petits morceaux وراح اقطع التفاح الى قطع صغيره Dans une poêle, je vais mettre les pommes. Donc là, dire tifah, cannelle, corfa, le sucre et le sucre et du beurre. Et je laisse cuire. Les hits caramélisa Donc pour les ingrédients de la deuxième étape, j'aurai besoin de 300 g de farine, 2 œufs avec un jaune d'œuf, 16 g de levure chimique, 100 g des amandes que je les achète comme ça, c'est les amandes croquantes, sont mixées avec le sucre et 100 g de sucre avec un pincée de sel, un verre du lait avec la moitié du verre d'huile normale. بالنسبه للمقادير راح احتاج 300 غرام ديال الفرينه وبيضتين مع صفار بيضه و100 غرام ديال اللوز المحمر ولكن مطحون مع السكر و100 غرام ديال السكر مع قبصه ملح و16 غرام ديال الخميره الكيميائيه وكاس ديال الحليب ونصف كاس ديال الزيت maintenant je mets les œufs ندير البيض عفوا Et le jaune d'œuf au safar le beda. Et je mélange. On khalate. Et j'ajoute le pincée de sel, nous aide le qabsat le melh et le sucre, le sucre. Et je mélange aussi. On khalate. Après, j'ajoute le lait, on dit le halib. On
الجبن نزيد الفرينة En même temps, je mélange. J'ajoute la levure chimique, on dit le khamira. Je mélange tout. Et maintenant, j'ajoute l'huile. Et maintenant, je prends un moule. Qui entre au four, et je mets mon mélange à l'intérieur. On dit le khalit diali, sénia. Et maintenant, je prends les pommes et je le mets sur le mélange. On a choudé tfah, on dit ala al khalit. Et voilà, et maintenant j'ajoute les amandes. Et voilà, j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat de 30 à 35 minutes et après on revient. سخنت الفرن على 180 درجة نحط الصينية ديالي من 30 حتى 35 دقيقة ومن بعد نرجعو ودائما قبل 30 دقيقة ما نحلوش وما نفتحوش باب ديال الفرن et toujours avant les 30 minutes on n'ouvre pas la porte du four.
Et voilà mon gâteau aux pommes. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à abonner la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle recette rapide et facile. هذه هي وصفة اليوم أصدقائي. إلى عجبتكم الوصفة أو إلى عجبتكم الكيكة ما تنسوش تحطوا لايك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد وتشتركوا في قناتي. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.